Salam. Rencontre en vue du mariage. Un ami m'a dit, je rencontre une jeune fille qui a beaucoup de qualités, mais elle a quatre défauts. Je lui ai dit, huit défauts. Il m'a dit, comment vous le savez, vous la connaissez? Il dit, je la connais pas, mais je connais un peu le genre humain. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que lorsqu'elle sera enceinte, eh bien, vous découvrirez d'autres défauts. Et idem lorsqu'elle naîtra au monde. Puis si ça vous plaît pas, vous avez qu'à être vous-même enceinte et mettre l'enfant au monde. Et quand elle se réveillera tous les quarts d'heure pour allaiter le bébé, vous découvrirez de nouveaux défauts, mais rien ne vous empêche d'allaiter vous-même. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez vous marier avec un ange? Il n'y en a pas d'ange. Et puis si on avait une, elle se marierait pas avec vous, parce que vous-même, vous n'êtes pas un ange. Donc, c'est un mariage d'une harmonie parfaite. Un non-ange avec une non-ange. Mazal Tov.